Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles aux hommes, ils ont mis noir, Taïmada, chez notre aîné. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Deuxième partie, Critique Info. Je voudrais réfléchir ensemble. Tout nous cara toujours et le Congo tout le monde à Kinshasa que le Congo n'a pas d'argent. Bon, on est tous d'accord que le Congo a beaucoup d'argent. Seulement, c'est mal structuré. Dans le bar à l'autre fois, Sobo s'est rappelé, il y a peut-être une année, quelque chose comme ça, je disais que la RDC, c'est un système entonnoir. Voyez-vous, c'est un système entonnoir. Entonnoir pourquoi? Bon, vous avez ébélé, mais vous avez dit, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que de la souche, n'a place l'État, il faut un bon goût. Bongo bungi likolo kuna o komi na l'état za mukie mais o ba détournaka ezaka o ezaka likolo kuna te o ba détournaka ezaka o kota na l'état. Le détournement c'est ça en fait. Alors maintenant le problème c'est que chez nous on a réuni tout, on a réuni et les détournements et les vols. Soko kena kasumbale ça. Donc on a la consécration du vol et la consécration des détournements. Na consécration il y a appauvrissement même yamboka. C'est-à-dire qu'on a que batou bayokani système na bango bayokani que to luka mécanisme ce qui mutuka yé ba décharger mutuka après ba le côté on a ngé ba bien ba bien ba pèse 30 40 50 personnes ba ça ça lango et des gens ont trouvé la vie là-bas au lieu que ba pas taxer mutuka qui va coûter un peu plus et l'argent est compte dans le trésor bayokani ba décharger mutuka à 30 mètres ou à 5 à 50 mètres la frontière. Bah, après, c'est 30, 40, 50 personnes bah, côté, parce que quand un piéton est côté, il bien na est-ce que vous imaginez ces calculs-là? Et quand ça arrive dans l'État, maintenant, imaginons il y a 40 véhicules, 50 véhicules, 100 véhicules qui font le même trafic. Si comme bon on c'est encore cet argent qui va être détourné de fausses déclarations. Ou une fois déclaré 40 dollars, une fois déclaré 40 dollars en réalité, moi, déclaré 7 dollars. Il faut déclarer 200 dollars, à déclarer 12 dollars. Bon, on a tout. Et ça, il y a un opérateur au Bazawana. Si on a 12 dollars à déclarer, on a, au lieu qu'on attend un trésor public, 12 dollars, on a comme un trésor public. Ce qui est comme un trésor public, il y a comme 6 dollars. Donc, 6 dollars, bateau, bah, mon imbon, on a, bah, on a 4 dollars autour. Maintenant, 6 dollars, on a un trésor public. Au lieu qu'il y ait un foutre fonctionnaire et un foutre politicien. Donc, à 6 dollars, qu'est-ce qui va se passer? 4 dollars, il faut des politiciens, 2 dollars, il faut des enseignants. Si on a 2 dollars, il faut des enseignants, 2 dollars, il faut des enseignants, il faut 200. Or, en réalité, les enseignants, il faut 120. C'est-à-dire 80, il faut des enseignants. Il faut des enseignants, 45, peut-être pourcentage, autant, 0,0, il faut des enseignants, 0,0, il y a 200 personnes, alors qu'il faut des enseignants, 120. Omoni. Oh, na 120 batou wana pe. Bon, on a degré ma bezo kene. Na 120 batou wana pe. Bango tout 120 basala kate. Na 120 batou wana ba ka 60 ne basala kate. 60 mousou basala kate. Donc, bon, on a kiti sous ne batou 60 wana. Oh, 60 wana ou basala kate. Peut-être kaka 20 ne basa performant. 40 wana baba bricoleur. Bon, il s'engage beaucoup dans le développement. Nengeni na schéma modèle wana. Omoni place na outil, na place na komi. Donc, c'est-à-dire que ça vous montre déjà suffisamment que vous ne pouvez pas développer un paradigme écosimbaté à tamoukete. Le seul paradigme qui va marcher, c'est le paradigme à changement. Et ça, paradigme à refaire ma kambo. Toi, qu'à sonité à bandela.
On ne peut pas avoir honte de recommencer. Même la notion de la oblique, il faut le recommencer. Quel est ce secteur? Quel est ce secteur? Oh, là, secteur normal. Parce que même la notion de la oblique, il faut la recommencer. Mais maintenant, dites-moi, quel est ce secteur dans le Congo, aux autres, on l'appelle convenablement. Oh, Moutango Vandabi, je suis fier de mon pays. C'est quel est ce secteur? Dans la première partie, je vous ai dit que toutes les institutions de la République sont menacées, soit par la corruption, soit par des doutes très profonds. Au niveau de la présidence de la République, les directeurs de cabinet ont fait la prison pour des questions de corruption et des questions de détournement et des questions, il y a un flou dans ma mambo, dans mes salons. Bon, ce qui est déjà la plus grande institution, c'est un modèle ouana. Le Sénat avait été suspendu par le président de la République parce qu'il y avait des soupçons graves de corruption. L'appareil judiciaire, n'en parlons même pas, ça ressemble aujourd'hui au berceau de la corruption. Quel est ce secteur qui est exempté? Alors, logique où on a beaucoup avancé à table côté parce que la corruption est un virus contre nous autres et détruit nous autres. Mais maintenant, nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que tout évolue? C'est-à-dire que tant que nous avons une musique, nous avons une musique, mais nous avons complications. Pourtant, on peut aller secteur par secteur régler des problèmes. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez que Mbongo avons perdre un habitat B? L'argent que le Congo perd, n'habitable. C'est inimaginable. N'habitable, nous, le secteur agricole, parce que là, nous perdons beaucoup d'argent. On perd des milliards. Le Congo manque d'absence d'agriculture industrielle dans le cannabis. Nous sommes en train de perdre des milliards et des milliards. En termes d'agriculture paysanne, topé, oh, Lula, Nobenga, agriculture domestique, nous sommes en train de payer le prix à la malnutrition. Parce qu'il n'y a aucune politique qui est modèle ouana. Na Brésil, comment qu'il y a niveau Mongo, il n'y a aucune maison sans potager. Toutes les maisons avaient des potagers. Moutouna, Moutouna, il y a un peu de colia, il y a un peu de sala, il y a un peu de sala, il y a un peu de. Et c'est comme ça. Dans le village, il y a un principe ouana. Na Sima Moutouna, il y a un peu de sala. Ou il y a un peu de. Bilangana, il y a tomate, ou il y a bilangana, il y a ndembi, ou il y a bangoulou. Et à un moment donné, il y a un troc. Ngana kiko teka tomate, yo tana besoin ya tomate, yo tana besoin ya teka ngulu na. OK, ngana pêche tomate nanga, yo pêche ngulu na. Et les gens vivaient comme ça et ça ne faisait du mal à personne. Mais malheureusement aujourd'hui, on a oublié toutes ces choses-là. Toute la concentration du pays a tourné dans ma mine. Alors que les mines sont périssables. Mais place où est bébé katé, place aussi la katé. Je peux vous rassurer mesdames et messieurs, les mines de la RDC, même dans la manière la plus scandaleuse dans l'union sur qui couper ces misala na batunyo sauté. Batutu banda d'accord nanga na mukilike le potentiel agricole et le potentiel minier le deux potentiels o epesa ka musala makasi et de façon pérenne et dali potentiel agricole parce que le temps au miné bota na le temps au milangé bota bilangé sera toujours un avantage et belé koleka mine mais parce que les mines sont faciles à exploiter vous n'avez pas beaucoup besoin de faire beaucoup de choses les gens bah ça glutina kakuna tels les incapables qui n'arrivent pas à réfléchir convenablement parce qu'il y a un bang bang na mine. Or là où Moussa le fait ça, mais pour la durabilité nango, on en fait rien. Ce qui babisi bino le lo, mbongo tozo perdre n'habitable. Est-ce que yobi que le ministère de l'économie, je peux le dire avec beaucoup de réserve. Je ne suis pas convaincu que ce qu'il y a le ministère de l'économie dans nomenclature de prix au coût appena prix habitable. C'est au coût en monté. Ça dit que dans notre pays, nous n'avons pas considéré que Bitabe et Zali et l'autre Togo sont bas. Et là, bien, au Togo, au Togo, taxé convenablement. Et puis, le prix est banni. Le prix de la banane est banni dans le Congo. Parce que regardez, la boteka, Bitabo est dans la boteka, Bitabo est dans la Bumba, Bitabo est dans la Mbandaka, Bitabo est ailleurs. Et ça, c'est un Bitabo est à la tête. Nous avons 500 fous, 500 francs. Mais va seulement dans le Congo, au Togo, mais colo. Et Colo, ça dit, il y a ça fou. Au moment, on a 2500, on a 2000 francs. Et Colo, on a pris mon ramakas. Or, le combat qu'on doit mener maintenant, c'est le combat, il y a uniformisation, il y a pas prix. Mais pour que ça, la uniformisation, il y a prix, il faut que ça, il y a une nomenclature, il y a une nomenclature. Et bien, il y a un régime habitable partout, et dans l'Est, et dans le Nord, dans la ration, il y a un trottin de 1500 à 2000. Et c'est comme ça. Au route, place pour 1500, place pour 1600, 1700, 1800. Mais il y a même, mais quand on voit le double T, le triple T, mais comment est-ce qu'ils vont maîtriser Ango? Mais nous, est-ce que nous, on a un Ango T? Ça veut dire qu'on perd des centaines
bah, millions d'argent, Lucolo, il y a des organisations tout simplement. Si c'était structuré, parce que l'argent est là. Mais comment vous structurez pour que Moeko Melabino est-ce que vous savez qu'il y a certains pays qui sont connus kaka grâce à la jus na bon. Mon baté kana bon ka baju. Mais biso tout dans la terre arable mon roi que tu peux planter tout ce que tu veux planter comme fruit pe bimisé li ba jus. Donc on pouvait avoir en principe des usines y a ba jus qui donnent des milliers d'emplois aux jeunes gens. Or on a vu aujourd'hui que Orange au bon a wone bino monaka Orange. Yo monaka Orange mais l'Orange est sili. Mais pour ce y a Orange ils ont ba vertu médicinale et belé. Oh, bah, tu dois étudier comment tu peux extraire yango. Yo, tout le monde a un mbila. Mais mbila, yango, mon a dérivé et belé. Mbila, na savon, mbila, na huile, mbila, na tsamba, na vin. Ça veut dire que juste à cause d'un seul palmier, vous pouvez dépasser l'Indonésie. Ça veut dire que c'est à nous de développer une intelligence, de captage, tout de captation en bongo. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays comme le nôtre et dire que bon, 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 ma tite est au bout n'a pas mûr, ma tite est au mûr, ma tite est au la santé. Ça démontre en réalité la fertilité ou bien vous n'avez pas la bino. Mais qu'est-ce que vous en faites en réalité, vous n'en faites pas. Bima na Kinshasa awa, kende ba Congo, tango la kana balabala, au moment des kilomètres et des kilomètres à perte de vie, bilangate et l'autre côté, zamba ya pamba kabo. Mais attendez, mais ce sont des choses où l'État fallait en réalité à s'en approprier Nango. Ou bien, comme on a fait dans Zambie, l'État a identifié Bato Azan à service. Il y a un secteur agraire, Bato Azan à service, il y a élevage. L'État a regroupé ça bon moyen, a regroupé en termes de catégories. Et ça permet à ce que aujourd'hui dans ma pays nous sommes au une ville bah jeune basaté bah jeune basaté dans ma village parce que c'est là où les industries sont bah on travaille kuna et la ville est... Ça, si vous allez dans certains coins vous allez vous rendre compte que, oh ville on mikolo bundeni bah tout cas bah dans mikolo et samedi dimanche ah ou samedi vendredi pardon samedi dimanche bah jeune bah zongi ville parce que bah outil dans ma village dans mango bah est sûr qu'on s'appelle là mango etc là mango parce que vu que lundi bah kuzonga mais nous on n'a pas ça. C'est-à-dire que pour nous, nous n'avons jamais de faire. Le kouta, ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup d'argent, oui. Mais cet argent est facilement trouvable dans le monde. Bissot, tu as le fleuve le plus poissonneux. Tu as les lacs le plus poissonneux. Tu as la rivière poissonneuse. C'est-à-dire que nous avons un potentiel yamaï ya sakanate. Le poisson que nous avons dans le monde, c'est un coquille qu'on nous a solution pour nous. On va dire bateau de pêche, c'est très compliqué. Moi, j'ai dit déjà que même bateau de pêche ou pas bateau de pêche, on peut trouver aquaculture, la pisciculture. Nous continuons à intimider les gens dans le fleuve Nabisso, mais nous avons l'aquaculture, nous maîtrisons la production de poissons. Binomoko de Borosalango. Le nom Maroc, Katégara, Sardine, Ani. Maroc, Katégara, Sardine, Ani. Est-ce que Maroc a un bouaïo? Maroc a un zombo? Maroc a un toku? A un poutou? Et dans la bambisi, moussou, oyo. Sur mon imbissi 10 kilos na mwanda ka ah bambisi musu bazana mbanda ka na mula ana imbissi yemo de na ba ana ba 70 ba je dis 77 cm bambisi musu bana 1m20 imbissi 1m20 ça do mon imbissi mon tala imbissi mulai mais yo aza tadi imbissi koli ya koli na etiba lo rabi no bolia na minorité bon ba ko mulia ba to ba di na mai parce qu'en réalité c'est à nous de savoir ce qu'on veut faire de nos poissons. Nous pouvons en principe coller ça à Afrique Mobimba, mais c'est une question d'idée seulement. Question d'idée. Nous avons des variétés de poissons, vous n'avez aucune idée, il y a tellement de centaines. Mais si seulement nous développons une théorie, une technique, la production de poissons, distribution de poissons, exportation de poissons, on a gagné le marché. Tu as cacao, tu as café, on a tout. Mais bien que tout le monde on a prix nango exact et ça compliqué bon mon nango. Comment beaucoup expliquer ngai que la province équateur mabele yangombe tobe miliki yangombe est extrêmement difficile à trouver que na est la république. Mais quelle est la distance qui sépare est la république n'est pas la biso ah distance moins la gravité. C'est-à-dire on peut mettre ma chemin de mundela talaka yango le blanc en partant a créé déjà circuit wana. Que ce que nous avons un point A, à quoi on a point B. Tout ce qui nous a manqué, nous, c'est d'entretenir ma structure voilà, et d'en faire évoluer en gros. Ça, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire que tout ça, quand on a un secteur agraire, je peux m'étaler là toute la journée pour expliquer bien, nous, comment on peut trouver l'argent. On peut trouver l'argent facilement. Mais malheureusement,
l'intelligence pour le faire exalté et la volonté pour le faire exalté. Pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, le président de la République n'a pas donné encore une impulsion, n'a pas encore donné une très grande impulsion pour nous faire évoluer le secteur agraire. Tout ça n'a qu'attendre. Comment vous voulez imaginer un monsieur qui a été gouverneur de la province, aujourd'hui qui n'est plus gouverneur, même avant qu'il soit gouverneur, monsieur Moïse Katumbi, toute sa fortune à Zamounambisi. Donc ça prouve que comment un homme peut avoir autant d'intelligence dans un secteur que le cas tout un gouvernement dans le même secteur. Autant de poissons que monsieur Moïse Katumbi a eu na vinaye. Bon on a eu sa joie, bon on avait d'abord en premier na makambwambisi nan. Mais comment un gouvernement n'est pas capable de faire ce qu'un individu peut faire? Autant je le dis pour lui, autant je le dis pour le bateau pour réussir dans le secteur il y a élevage. Dans l'Équateur, tout le bateau il y a Ichomba. Dans Goma, quand j'étais petit, quand j'étais encore jeune, papa m'a dit qu'il y a un Gézao, ou soit un Kassoukou. Je me rappelle encore de ce nom, j'étais tout petit, mais ce nom, mais on nous disait que ces gens, c'était terrible. Il y en a tels qui avaient autant de vaches, autant. Mais si déjà des individus sont en mesure de faire ça, comment l'État ne peut pas le faire? Donc c'est une question d'organisation. Mais le président de la République, malheureusement, quand il doit faire... Pourquoi le... Moi je me dis toujours, hein, moi j'ai vu Obama, j'ai vu Donald Trump, j'ai vu Sarkozy, j'ai vu Hollande aller dans les parcs. Agro, bien sûr, bah, parc agro-industriel, aller dans ces parcs-là, aller dans la rencontre spécialiste dans tel domaine, dans tel autre domaine. Mais on peut le faire aussi. Pourquoi les chefs de l'État ne prendraient-ils pas le temps de manger ou de dîner avec les agriculteurs? Je ne vous parle pas ici des politiciens, je ne vous parle pas des hommes qui font la politique, non, je vous parle de hommes qui sont dans la terre, qui sont dans les services à ma belle terre. Imaginons que le chef de l'État s'allie symposium national. La présidence de la République organise un symposium national ou une conférence ou un forum national des agriculteurs et des éleveurs. Forum national des agriculteurs et des éleveurs. Et ça lie qu'à 3 jours, na Kinshasa. Ou bien le chef de l'État peut même le délocaliser. De l'ouki zone où il y a ma casse dans le secteur. Le chef de l'État qui consacre 3 jours. C'est-à-dire les agriculteurs viennent de partout. Baouti Équateur, Baouti Bandundu, Baouti Kounana, ba éleveur, ba yé. Il n'y a que Bango. Et le chef de l'État est là avec seul lui, avec son directeur de cabinet, na ministre et Anini, y a secteur. Wana. On n'a pas besoin d'avoir des politiciens dedans. Non, le président avec les agriculteurs, pas des politiques. Mais c'est ça la force d'un État. Le chef de l'État discute avec les fermiers. La difficulté de niveau nin. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Comment faire et comment on peut structurer la chose? Mais c'est des choses qu'il faut véritablement faire parce que c'est là que de tout, c'est par là que blon tout égoûta. Mais malheureusement, nous on n'est pas dans ça, on est dans tout, on est dans autre chose. Au lieu de faire ça, on n'est pas. Et même quand vous proposez ça au président de la République, ses conseillers vont vous dire non, le chef de l'État n'a pas de temps, l'agenda. Quel agenda? Quel agenda? Parce que l'argent est en Guana. Et là, on a coupé sa main avec la Banque mondiale. Et là, on a coupé sa main avec la FMI. Pourquoi vous allez vous demander au chef de l'État de s'habiller, de se préparer et d'aller voir la FMI alors qu'il peut trouver l'argent au FMI? Il y a un monsieur que les aînés qui ont vécu avant nous connaissent. On l'appelait monsieur Blumenthal. Monsieur Blumenthal était ici, c'est lui qui a dit à Mobutu que tu n'as pas besoin d'aller chercher l'argent à l'étranger, ton l'argent est au Zaïre. Pourquoi tu vas aller à l'étranger chercher l'argent? Mbongozana Zaïre, mais dans ma poche et à bateau, boucher ma poche, on a besoin de Sambo, on a trésor. Les conseillers de Mobutu sont allés dire à Mobutu, ce monsieur va t'induire en erreur, il va te mettre dans une mauvaise posture, Azamutu Yamabe, Batindia Bebisayo. Et monsieur Blumenthal est rentré chez lui dans les conditions que tout le monde connaît. Mais simplement parce qu'il avait dit au président de la République à l'époque, « Monsieur le Président, l'argent est au Congo. » Et moi, je suis aujourd'hui un peu comme ce Blumenthal qui dit au chef de l'État, « Monsieur le Président, notre développement ne viendra pas du FMI, ne viendra pas de la Banque mondiale internationale, ne viendra même pas des dons de l'étranger. Notre argent, notre développement viendra de la terre. Ça va venir du sol et du sous-sol. C'est là que notre argent viendra. Dans la place, Moussouté, le salut de notre peuple, il est agricole.
Le salut de ce pays, il est agricole. Le salut de ce pays n'est pas minier. Le salut de ce pays est d'abord agricole. C'est comme ça qu'on fait les choses. Sinon, on va se compliquer pour rien. Où est-ce que secteur, non, il y a agriculture. Sur côté un secteur, il y a balabala. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est encore terrible. Dans le secteur de route, je le dis toujours, la véritable régie financière est Zali Balabal Nabi Solilo. Parce que l'indiscipline des Congolais est Zana Mbongo et Belé. L'indiscipline des Congolais, ça va donner l'argent comme vous n'avez aucune idée. Tout ça, c'est un calcul simple. On a toute une question. Quel est le poids de notre parc automobile dans Congo, dans Kinshasa Lelo? Les chiffres que j'ai obtenus sont des chiffres discutables, mais on peut revoir. On nous parle de 400 000 véhicules. On aurait 400 000 véhicules. Il y en a d'autres qui parlent de 600 000 véhicules. Il y en a qui parlent de 200, 300 000 véhicules. Bref, prenons le plus au plus bas mot. Prenons 400 000 véhicules au circulant à Kinshasa. Nous sommes tous d'accord que les 400 000 véhicules au circulant à Kinshasa, 80% des véhicules, on a Ezana et Terre au Tambolaté. 80% Ezana et Terre au Tambolaté. Ezaba, au Mutoka, il a échappé dans le contrôle technique T. Parce que, bis, on a Kinshasa, on a trois façons de contrôle technique. Ton contrôle technique, moi, y a goûté la gana misoubo, donc on y a goûté la misoubo, autant de lui, il y a un problème. Deuxième contrôle technique, il y a un contrôle, c'est qu'à démarrer, à ça, attends-moi 2 mètres, on comprend que, il y a un contrôle technique. Et puis le troisième contrôle, on peut le faire dans ma machine pour le détecter. Ça veut dire que, pour dire que, c'est tellement flagrant que, donc, on peut avoir l'argent grâce à mon contrôle technique, on a, et vous faites le contrôle technique, et comme les gens payent, ça rentre, fait rentrer beaucoup d'argent dans la trésor public. Et ça va assainir même le milieu. Il y a automobile Nabisso. Deuxième chose. Mituka, au Zotambo, on a 400 000 véhicules. On a 100% Nango. On parle de près de 80, encore 80% ou bien 85%. Il y a Mituka, on a documenté. Et Bélé, on a assurance. Ça veut dire que c'est des gens qui circulent en route en train d'avoir l'argent de l'État. Ngana, on a 200 000 au talika kana yomo na misuka abo au monde gata ba 200 000 dollars bimika wana yomo ka omuna. Je vous donne un exemple aux États-Unis, parce que c'est de là que je me suis inspiré. Bas dans la tribunal na bango spécial, je crois qu'il y a une juridiction spéciale pour na ba combattre quoi ba contravention. Mais on peut vous dire comment ce pays fait rentrer l'argent na ba contravention kaka na balaba lo na idété. C'est-à-dire, d'abord, sur la tino ceinture, on a 100 dollars dans l'amende. Ceinture, on a 100 dollars déjà. Clignotant, on a 80 euros. Au sali, 80 dollars, pardon. Au violé code de la route, on a une amende. Au côté qui mauvais stationnement, on a une amende. Imaginons qu'il y a une balabala, une contravention, et ça, il y a une balabala. Est-ce que vous imaginez combien ça coûte? Ça coûte à écoute, ça à la trésor public. Au Rwanda, si on vous arrête, par exemple, na Rwanda, ceux qui roulent à la télémission, et leur option le bousso d'arrêt, au Pembeni. C'est tout ce qu'il va te dire. Il ne va pas crier, hein, Pembeni. Au tchè Pembeni, il y a bichou à bif, pèse clignotant gauche. Au pèse clignotant gauche, et peli. Pèse à droite. Au pèse droite, et peli. Fina frein, et peli te. Il te verbalise. C'est-à-dire, il n'a même pas besoin d'aller loin. Il te verbalise, il te dit, monsieur, tu vas aller payer 40 dollars dans l'État, et tu as une semaine pour l'onçal là-bas, pour l'onçal là-bas. Il te donne un document. Juste quand, est-ce que vous imaginez la balabala? Mais si on a Kinshasa, il y a un mythe qui est en tambour. On a clignotant, on a farté, on a locoté, avec une plaque d'immatriculation. Or, toutes ces petites infractions qu'on appelle de contravention, elles ont pris Nango. Mais tout ce que nous demandons à l'État, pour que l'État gagne un peu plus d'argent, l'État doit frapper dans l'indiscipline. L'État ne doit pas rester dans la France d'ailleurs. L'État ne doit pas laisser rester dans le bureau. Il y a 20 000 francs, 30 000 francs. Quelqu'un peut mettre 100 000 francs en jeu. Pourquoi ça la bêtise dans la balabala? Frapper fort. Une amende, c'est comme 100 dollars, et comme 150 dollars, et comme 200 dollars, vous allez la régler dans la balabala. Donc, on peut gagner beaucoup d'argent dans le secteur. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Les roulages s'entendent d'avoir la moitié ou le 1/10. Il y a un bon moment de faire foutre dans le bureau, il y a un peu pas naïe. Et c'est l'État qui perd. Ou pire encore, lorsqu'on va payer nani nina, comment est-ce que vous pouvez imaginer le modèle wana? Ngana yo futa mbongo ya mandi ya mutuka. Na pesi nani le monsieur qui est na bureau. Parce que moi généralement quand on m'arrête ou quand une histoire comme ça arrive, je vais au bureau tout de suite. Allons au bureau, on va payer au bureau. Mais malheureusement même au bureau ça change rien.
Parce que même au bureau, on ne me donne même pas un document pour qu'il prouve que j'ai payé. Donc, ça dit que moi, je ne sais même pas mon ça ligne exactement. On te dit, tu peux pas payer 70$. Au bout de 70$, on ne te donne même pas un reçu. On ne te donne même pas une preuve de paiement. Or, ce qui est dans le système, il y a bancarisation. On te verbalise, on te donne l'argent. Parce que même la pote, on fout en tribunalité. On fout dans la banque. Ok, on fout dans la banque. On est dans le tribunal, on a preuve de paiement. Tu as la preuve de paiement, on a fout dans la banque. Je vous donne un cas, par exemple, dans Dubaï. Dans Dubaï, quand tu cognes quelqu'un, tout de suite, vous avez le choix. Vous appelez la police. La police ne peut ne pas venir. Alors, tu regardes pas ça, c'est un bon, il y a une photo, est-ce que vous avez un arrangement ou tout un arrangement? Mais pour la telle infraction, vous allez payer autant. Maintenant, les binous, na téléphone. Yo, mon ébi. Na Dubaï, ils sont autant mon abalaba, là-bas, na flasheur, mon ébi, on a eu quand la photo par rapport à vitesse. Donc, ça dit que ce qu'on dépassait le quoi, photo, la minute, photo, mais tu flash, quelques secondes seulement après, tu as le message dans ton téléphone, bah, après sur situation, où tu as violé le code de la route, la place, tel, demande, montant, on fout à Isa, autant. Ça dit, yomo koyebi. Si on fout d'été, Italie, bah, on te boit, kangote, bah, on l'a pété. Mais, jour où bimana ville, donc, on a dit que, mboka, on est à la mboka, on comprend pourquoi, comme à Dubaï, il y a des jours où on a dit, on comprend. C'est-à-dire que quand tu payes pas, ils ne vont pas te brutaliser. Le jour où tu vas sortir dans la ville, ils vont te dire, monsieur, le 15 mai, on violera le code de la route, ton argent initial est là qui 200$ et amende, mais tu as salé déjà une année dans Dubaï au Bima quitté, bah, et s'accumulé, et commis 900$. Avant Bima, il faut vous donner 900$. Sur le Bimité, heureusement, on ne pense pas. On t'arrête d'abord pour ça. Tu payes et les amendes, il y a tout ça, et ça commence à devenir compliqué. En Amérique, c'est comme ça aussi. Maintenant, en Amérique, il y a que, bah, en Amérique, il y a que, yo, bah, yo, bah, yo, bon. Bah, bah, yo, bon. Moukolo, lingo, que nous renouveler passeport, pardon, permis, yo, plaque, na yo. Ah, c'est ces jours-là qu'on va te dire, avant qu'on te donne la plaque d'immatriculation, foutre dans bon, initialement, au BBC, na autant, y'a amende, na yo. Voilà les pays où qui cherchent l'argent. Mbongo na bongo mona niwana, mais qu'est-ce que nous manquons? Qu'est-ce qui se passe dans Mbongo na biso? Est-ce que vous voyez que Mbongo kaka ya contravention? Mbongo wana kaka ya eko foutre ma policier. Cet argent seulement ya balaba là haut que mouta sali erreur ma foutre si ebo. Attends, est-ce que vous foutre ma policier? Maintenant, un autre secteur, toujours dans Mbongo balaba là, c'est ce que moi j'appelle ici parking. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez que les parkings, gestion kakayaba parking, et koki ko fouta armé moubimba? Parking kakayaba, ça dit parking normal. La petite expérience, je me retrouve à Barcelone. Toke Park, oui, Toke Zoo, on était allé au zoo. J'ai vu un truc, j'ai vu ces gens comme si c'était des malades. Ça dit, la moni, basali, sal, pas sale, mais ils ont des hangars, ils ont parking. Bon, la moni va être en sécurité dans le parking. Wana. Mais la moni va être pris. Vous savez qu'une heure, il y a parking 10$. Je dis, ces gens sont malades. Ngana yana musa, ngana tiki mutu, ngana balabala. Na koti de 8h, ngana 17h. Donc, na bandal, ozu mutu, ka parke na balabala, ou koti no milino, ba sangati, nengo lingi, tango osi, zobimi, ozongi. Mais on te dit, une heure, s'il vous plaît, 10$, une heure, non, 10 euros, une heure. Ça dit ce qu'on y est. Et ils n'ont pas de problème. Au footy 10 euros, quand on est là, comme on est là, et là, on est là, quoi, machine, au côté 10 dollars, on a, au commis, hein, ça, je crois, plaque, tout ça. Au tché, bah, pèse le document, et bien, ça sera document, papier, mon robin, si on a le droit à un distributeur, aux yeux, papier, on a, au côté, la moutre, on a, au collant, on a mis, la vitre, la glace, pardon, la pare-brise. Et ok, non. Bah, policier, bah, on met à tour, ceux qui chaque 30 minutes, ceux qui chaque 1 heure d'habité, moi, on met à tour, bah, tali. Bah, t'as le document, on a heure dans le coquille. Ce qui va monique heure dans le coquille. Et que y'a une heure. Pour les arbres, là, c'est heure. De 10h, par exemple, à 11h. Mais t'as commis 13h. Bah, calculer, bah, dit, ah, Joyo, Alexis, heure. Y'a pas de problème. Bah, on va baxer le papier, n'abango. Et bah, on va qui n'abango. Ils n'ont pas de problème. Baxer le papier, on va qui. Yo, bah, on va regarder plaque, n'aille plaque, numéro à plaque. Bah, j'ai numéro à plaque, bah, ça dit rapport. Mouto, attends, c'est fini pour toi. Donc, Yokozonga, tu comprends qu'il faut que tu payes autant. Mais comment ce pays-là font pour avoir l'argent? N'a parking. Il nous donne un parking à 500 francs, 600 francs, 700 francs. Et bon, on a besoin de maison qu'on appelle Ebele, maison qui est Wapi. Moi, je m'étonne, j'ai une fois dans la ville, à Kinshasa, dans la ville, à Seawa,
J'ai vu une dame. Aïe, papa, bonjour. T'as au foot ça. Oh, t'as au foot ça un bon gamin parking. Là, c'est les mamans. Ozo senganga to oza droit. Ote nangina bisoka parce que moni bino bozala na bis, c'est pas possible. Donc, comment un agent de l'État peut discuter avec un assujetti na humeur na esoka lingi ko pensa ou pas? Non, c'est une contrainte. Ailleurs, on ne blague pas. Il y a un jour, le gouverneur Yamalonga a à Kinshasa. Il y a une autorité à Solo à Kinshasa. Il y a une bandale. Il y a bandal, on a 20h. Parce que comment tu peux ouvrir un bar sans parking? Comment tu peux ouvrir un restaurant sans parking? Un restaurant où il y a un bar na poto, où il y a un parking, il y a un takeaway. Il y a un sommet au léki. Mais du moment où vous avez mis en place Padouba Lia, vous allez organiser les parkings obligatoires. Mais vu que le service est à l'État, il y a un parking qui est dans le boulevard. Il y a une bande qui est dans le boulevard. Il y a un parking qui est dans le boulevard. Il ne paye pas pour ça. Mais l'immeuble est dans le boulevard, allez-y voir. Tout le long, il y a une bande piéton. Mais il y a une servitude à l'État. L'État pouvait gagner l'argent. Il y a comme on a un immeuble interfinant. Ok. Interfina, ok. Maintenant, il y a 15 véhicules et 30 véhicules et vendeurs. D'abord, on n'arrivera même pas là. On dira, Interfina, on a combien d'immeubles? On a combien d'appartements? Non, on a 10 appartements. 10 appartements, ça veut dire environ 10 véhicules. Environ, place, il y a 10 parkings. Il faut ça. Oh oui, Ezali. Batali, la carte, Ezali, c'est vrai. Mais ce qui va t'aller, c'est Ezate. Mais tu vas payer la place au foot. Hein? Tu vas payer parce que les gens doivent. Mais nous, on s'en fout, en fait. On s'en fout, quand on a immeuble, on a un parking. Ils se débrouillent. Et quand on se l'État. Et ils ne vont pas payer. Ah, mais non. Vous n'allez pas chercher l'argent comme ça. L'argent se trouve dans l'indiscipline des Congolais. Et l'argent, il y a financement, il y a parking. Il y a Congo, surtout ça, convenablement. Imaginez, bah, tout le coin à Kinshasa, parking est payant. Bah, parking payant, penza. Mais c'est l'État qui gagne. Il y a une église à 5000 personnes. Vous avez un parking. Et les gens viennent parquer dans Balabala. On a un Saint-Esprit. Jésus a déjà tout payé sur la croix. Ce que Jésus a payé, il a payé, oui. Mais où est un bon parking payé? Comment on va continuer dans la même condition? Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se comprendre. Bon, moi, c'était juste une contribution. Et je pense que si nous travaillons convenablement, on peut véritablement donner à ce pays un budget. Et on s'est raté. Et voilà pourquoi moi je vais vous dire une chose pour terminer. Nous n'avons pas droit à échouer, et surtout pas sous Fatshi. Sous Fatshi, nous n'avons pas droit à échouer. Retenez que ce qui Félix Tshisekedi a échoué dans le mandat Oyo. En tout cas, il faut battre comme un livre, Penza, comment Félix Tshisekedi a échoué. Il faut que les gens écrivent des livres, il faut que les gens écrivent des articles pour expliquer comment quelqu'un peut échouer dans ces conditions aussi merveilleuses. Les gens pensent que lorsque une société est remplie des immoraux, mais c'est faux, c'est même là où l'occasion de redresser le pays quand les gens sont immoraux. Parce que l'immoralité, ça coûte très cher. Si les gens sont sérieux, comment vous aurez l'argent? Comment vous en bougez là-bas? Imagine que tout le monde a violé le code de la route. Il faut qu'il y ait des indisciplinés comme ça pour que vous en bougez. Il faut qu'on trouve un moyen de réussir ce mandat. Il faut qu'on trouve un moyen de réussir à trouver de l'argent pour financer ma grand programme, ma grand projet. Là, le parking peuvent construire les routes. Les péages peuvent construire des routes. La gestion des contraventions et qu'on règle les questions, un paiement à ma policier, on peut le faire. Mais une seule chose, sérieux, il faut ça là. Une autre chose, la détermination. Il faut Ezala. Et si nous avons et le sérieux et la détermination, les choses vont changer. Qu'il y ait la peur qui est aux esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. Contactez-nous au +33 78 30 57 14 et à Kinshasa, nous sommes au local 59
de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Oh.